tout le monde, on continue donc le petit let's play. Alors vous m'avez peut-être vu en live, donc on va revenir sur cette partie qui est beaucoup moins avancée. J'ai appris d'ailleurs pas mal de choses grâce à vous et grâce à tous les tests que j'ai fait. Donc je pense que je vais peut-être pouvoir tenir un petit peu mieux sur cette partie, hein, même si c'était vraiment ma première vraie partie sur le jeu. Donc vous voyez, la base n'est pas vraiment bien organisée. Donc alors on va tester tout ça, je vais améliorer un petit peu les installations, on va regarder là où on en est dans les recherches, on va ranger un petit peu le tout, donc je pense qu'on devrait bien s'en sortir. Alors la première chose à faire, c'est que oui, j'avais un petit peu négligé les boutons là, hein, j'avais utilisé le bouton annuler, démonter, prioriser, j'avais également utilisé les deux là, mais j'ai oublié ces deux petits boutons qui sont très pratiques. Donc vous voyez, je me demandais comment virer l'eau sale, hein, qui pollue la base, et bien c'est avec le bouton là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je fais tout ça, comme ça je suis sûr qu'on l'a bien nettoyé. Quand on clique, vous voyez, sur les gars, vous voyez que le deuxième point d'exclamation rouge dit qu'il a marché dans de l'eau contaminée. Donc effectivement, ça les salit. Et donc les gars, ils sont pas trop contents. Hein. Ok. Alors que je regarde, ici on a bien une douche. Ouais, on avait fait la douche, on a fait les toilettes. Est-ce que j'ai quelque chose à planter? Non, je n'ai rien à planter. Ici, ça se vide. Il y a toujours de l'eau qui tombe. Ça tombe de où l'eau là? Ça tombe de là. Ah ok, mais là il y a également un petit peu à nettoyer. Hop, parfait, ici aussi, génial. Comme ça, ça va être un petit peu moins dégueulasse, on va dire. Hein. Côté nourriture, on en a 10 000. J'ai un petit peu de nourriture là, il faudrait aller la récolter. Et je vais bientôt mettre la construction. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des ordres à, comment dire, des ordres qui prennent fin. Là, je vais dire qu'en permanence, on va avoir un gars qui va nous faire à manger, qui va donc utiliser cela pour fabriquer de ça. Ok, comme ça, on va tenir le coup. Ici, voilà, la base va déjà être plus propre. Alors oui, ça produit de l'hydrogène, mais on va essayer de faire un système de pompe pour pomper l'hydrogène et le mettre dans une pièce qui va être dédiée à ça et dans laquelle on va utiliser l'hydrogène pour faire de l'énergie. Hein. Ça va être pas mal, je pense. Ici, on a arrêté de pomper. Alors, regardons la qualité un petit peu du décor. Pour le moment, le décor a l'air ok, donc c'est pas parfait partout. Les gens commencent à être pas contents. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre quelque chose de cool. Des trucs de massage, voilà. Ça, on l'a vu dans... je vais en mettre 4 parce qu'on en aura besoin. Ça élimine le stress très rapidement. Côté oxygène, on a pas mal de carbone là-bas. Bon, par chance, on l'a fermé ici avec un airlock. Parfait. Ici, ah oui, ok, il faut ça. Côté fer, on en a toujours pas. Oui, je suis venu vers là pour choper du fer, mais on en a toujours pas assez. Alors. Parfait. Alors, la table de massage, qui c'est que je vais envoyer? On a Otto. Boum, tu vas te masser. Ok, à celle-ci. Le deuxième qui est un petit peu haut. On a Woodrow. Et les autres vont devoir attendre que les tables soient construites. Regardez. Ça, j'adore. Hein. Je l'ai dit dans le live. J'adore le look des gars quand ils se font masser. On voit que... Ah, ils sont contents, quoi. Ça leur fait du bien. Le stockage. Il y a encore un petit peu de place. Donc... Alors oui, pour ce qui est de l'eau contaminée, elle tombe en bas. Elle est plus lourde que l'eau standard, donc c'est pas grave s'il y a un peu d'eau contaminée dans de l'eau normale, je me rends compte. Ça se mélange pas, vous voyez, hein. J'ai l'impression. Ok, donc on avait un troisième qui était au max, c'était Olive. Voilà, comme ça ils vont pas vomir, ils vont pas casser mes choses. Parce que bon, voilà. Après, le suivant, il a 86-80, ouais, ils vont attendre leur tour. Alors, l'énergie... Où est-ce qu'on en est? Parce qu'il faut que je me rafraîchisse. Ok, on en produit plus qu'on en consomme, c'est génial. Toi, t'as faim, pas de problème. Regardons les jobs. Donc, pour ce qui est de là, ça va être que toi. Pour le cuistot, c'est bon. On a que des gars qui sont bien. Et le reste, on s'en moque un petit peu. Ok. Et le prochain gars arrive dans 10 minutes. Enfin, un peu moins, 9 minutes. Hein. Enfin, 8 minutes et des poussières. Alors, Woodrow, t'es où? Pas assez de production, il faudrait que je fasse plus de fermes. Alors ma pièce avec l'oxygène, on va la mettre où avec l'hydrogène? On va peut-être la mettre là-haut.
Donc je vais creuser. Donc déjà tu vas me creuser là. Est-ce que tu pourras me creuser ça? On va voir. Ça je me demande pourquoi je l'ai construit. Je me rappelle plus pourquoi. Ouais. Ça c'est de l'obsidien. Du granit. Ouais, on va faire une grande pièce pour pouvoir avoir pas mal de choses. Toujours pas fait les câbles, ils se font masser donc. Olive, ah voilà, Olive vient d'arriver. Le suivant, c'est classe, casse. Je vais y aller. Est-ce que je fais d'autres tables de massage du coup? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont, ils vont lâcher la table? Je crois qu'ils lâchent la table une fois qu'ils sont suffisamment bas. Donc je vais peut-être pas leur dire de construire. Alors j'aimerais bien qu'ils me fassent ça par contre. Côté hydrogène. J'ai toujours rien. Ah, il me faudra creuser un petit peu. Ah, il se passait quelque chose. Recherche complète. C'est ça? Non? Ah, c'est la nuit, ok. Recherche. 11 sur 20. Sur 10, bon, on va faire un seul. On va faire celui-là. Je vais pas les mettre à l'infini pour le moment parce que je veux pas qu'ils soient en permanence sur la table là. Donc on va faire 5 recherches intermédiaires. Eux ils vont pas dormir apparemment. Ah, il est en mourning donc, ouais. À cause de la mort du personnage, c'est qui est mort? C'était Zek. Zeki? Je sais pas comment dire. Alors on va accélérer. Purée, il y en a de l'hydrogène. Il y en a de l'hydrogène. Alors, plumbing. J'ai pas encore ce qu'il faut pour pomper. Ok, j'ai pas encore ce qu'il faut pour pomper le l'hydrogène. Donc, il va falloir finir la recherche rapidement. Et là, les 4 sont. Pas besoin de plus. Alors on va démonter la batterie. La petite batterie elle sert à rien, on en a une grosse là. On va virer la petite batterie. Et puis je pense que je vais virer ça également, ça sert à rien le générateur. Enfin peut-être en backup. Mais voilà, ça on va récupérer les batteries parce qu'elles vivent trop vite donc les gars ils reviennent là. Est-ce qu'il y en a une autre de batterie du coup? Je crois pas qu'il y en a une autre, ouais. Ok, donc ça c'est récupéré. Toi tu fais la recherche. Tout le monde a son lit. Et tout le monde a la table assignée pour manger. Qu'est-ce que t'as toi? Il fait trop chaud, alors il faudrait que je mette quelque chose pour virer la chaleur, mais bon, ce sera pas tout de suite. J'accélère un petit peu. Qu'est-ce que tu fais toi? Hideki! Hideki, t'es qu'à 70%! Ok. On va dire de réparer. Et on va augmenter la priorité. Ouais, donc là, il faut que je rattrape un petit peu ce que j'avais fait avant. J'avais négligé pas mal de choses parce que bah, je découvrais le jeu avec vous. Et là, je redécouvre tout ça. Alors, ok, là, on a enfin. Génial. Peut-être celui-là dans pas longtemps. En nourriture. Ah. En nourriture, il me restait plus grand chose pour la conversion. Regardez les arrivées. Ceux-là ont du temps encore. Ils sont à 63%. Ok, donc récoltez-moi ça. On a tellement de choses à faire. Ah, c'est production d'oxygène est rétablie. Toi, il en reste 3 à faire. Faut que vous le fassiez vite. Je vais peut-être arrêter la production de nourriture quelques temps.
pour libérer les gars. Parce qu'eux vont travailler, mais vous voyez, ils font pas énormément de choses. Ouh, problème. La pompe va bientôt ne plus être en contact avec de l'eau. On en a encore là. Est-ce que j'ai de l'eau ailleurs? Non. Pas agressif la bestiole. Ok. Donc on peut effectivement faire des combats. Alors si vous êtes curieux, les gars ont des armes par défaut. Et les armes, comment dire, les armes fonctionnent à énergie. Ouh, il y en a un qui a vomi. Ok. Donc, il a dégueulassé l'endroit complet. Purée, il a vomi, il en a beaucoup vomi lui hein. Allez, nettoyez-moi ça les gars. Ah, enfin quelqu'un d'autre. Ah, j'en avais besoin là. Du coup, alors qui c'est qu'on va choper? Technicien, il cuisine bien, il creuse bien. Ok. Créatif. Ça serait bon pour le décor, mais bon. Je me dis, lui, il me permettrait. C'est quoi ces choses négatives? Il peut il peut s'endormir à tout moment. Ça, c'est pas cool. Toi. Et lui, il peut pas cuisiner. Et il peut pas combattre. Mais il a beaucoup d'attentes de décor. Ok, on va prendre celui-là. Il y a moins de choses négatives. Bon, après, elle met un peu plus de temps à passer aux toilettes. Mais elle a pas beaucoup d'attentes de décor. C'est ça qui m'intéresse pour le moment. Parce que je veux pas avoir quelqu'un qui stresse rapidement à nouveau. Alors. Ah là là, regardez-les. Ça va loin le vomi, hein. C'était ici qui est passé à 100%. Oh purée. Là, les autres tombent bien petit à petit. Violet est à 3%. Il va falloir, bah sûr, on va le donner à Stacy, hein. Alors là-haut, ça n'a rien cassé, contrairement à ce que je voulais, donc je vais devoir. On va les casser après. Ah, ok. Il est en un état destructif. Et ils vont que après les choses qui les maintiennent en vie. Ouais. Ils vont pas péter un lit, ils vont pas péter une table, ils vont péter l'oxygène, quoi. Ah, alors le lit. Viola, c'est ton lit. La table. Vous verrez leur stress. Allez, allez, ça continue à s'étendre. D'ailleurs, est-ce que ça s'est étendu là, du coup? Non. Peut-être falloir faire plus de douches pour régler tout ça. Alors on va accélérer. Oh purée là. Il n'y a pas d'oxygène. Ça on est assez haut en oxygène dans la pièce là. Ok, parfait. Parfait, parfait. Encore ? Il déquitte, arrête ! Est-ce qu'il y en a une pour Ediki ? À Olive. Ediki est destructif. Donc alors on va augmenter la priorité de celui-là. On va même en mettre une deuxième. J'aurais dû attendre avant d'augmenter la priorité. Alors, Ideki, tiens. Mais non, ça, ça sert à rien, on va le démonter. Ça fait ce qu'il faut, hein. On n'a pas besoin de toi. Et là, on va mettre... à Stacy, je crois pas qu'elle en a. Ouais, elle en a pas. Et lui, il a monté de level, il a gagné des compétences, il en se faisant masser. Ah bah dis donc, j'aimerais bien avoir ça également. Alors du coup là,
Ils ont fini la recherche, donc on va venir. On va venir à celui-là. Allez, go. Faut qu'on fasse la chose pour absorber l'hydrogène, il faut qu'on la fasse rapidement. Et là, la douche, l'eau sale tombe. Un autre qui a vomi. Tant qu'ils sont stressés, ils vont continuer à vomir. On améliore ouais, petit à petit. Il n'y a que Stacy qu'on a mis en dernier. Les autres devraient être à un niveau correct. Dès qu'il est revenu à 58%, il ne devrait plus rien casser. C'est vraiment de la perte de main d'œuvre tout ça. Ah, et là, il n'y a pas d'oxygène ici apparemment. Ouais. On va devoir ouvrir. Côté algues, on en a assez, mais on va rajouter. De l'oxygène contaminé. Mais on va ouvrir là-haut. Comme ça, l'oxygène contaminé va tomber là. Et alors, est-ce que j'ai de quoi décontaminer? Ouais, j'ai de quoi décontaminer. Donc, on va le mettre là. Et puis, on va ouvrir là-haut. On va venir construire. Pour un peu submerger la quantité d'hydrogène que l'on a là. Au pire, la pousser ailleurs. Lui, il est pas agressif, donc ça n'a pas posé problème. Vous voyez, il perd des points de vie. Qui c'est qui casse, toi? Price! Price, t'es qu'à 61%. Alors, on va casser là. Faut leur mettre. Ok. Alors Price. Réparer. Faut plus d'algues. Les algues, on va aller les chercher. On va chercher là-bas. Il y a également du slime. Le slime permet de faire des algues. Oh la quantité d'hydrogène. Je vais devoir. Je vais couper ça. Je sais pas si ça va. Je vais mettre comme ça. Si je fais pas ça, je vais me retrouver dans une situation terrible. Avec trop d'hydrogène. Donc tant que j'ai pas les bonnes recherches. Ensuite il nous reste. Ok, il nous reste 7 points. Alors regardons. Ok, donc ça va arriver là. Et vous voyez, ça se fait absorber et ça se fait convertir en oxygène. Et l'hydrogène remonte, donc on va envoyer un petit peu d'hydrogène là-bas, vu qu'apparemment bah, c'est normalement plus léger que... On va avoir une poche d'hydrogène là, je pense. Ça serait cool. Ouais, t'as un petit peu de mal avec l'oxygène, pas grave, ça va être réglé. On va également pousser l'hydrogène en générant de l'oxygène là. Ah, j'ai... Ça, c'est ça, level 5. Alors, je sais pas. Ah oui, il a besoin d'oxygène. Il va mourir avec, avec ça, je pense. Hein. Là, c'est vraiment cool. Ouais. L'oxygène pollué arrive là, il se fait absorber directement. Il a le temps de rien faire. Alors, côté. C'était ici, t'es toujours à 94%, bah, dis donc. C'était qui? C'était Hideki. Non, c'est Price. Price, tu vas y aller. Je veux que t'arrêtes de casser mes trucs.
Bon, maintenant on va ouvrir ici pour tout ce que je veux pour préparer pour la génération d'oxygène. Ah, il faut vraiment rattraper les bêtises que j'ai fait avant, hein, que j'ai faites. Ouais, ouais, toujours du mal là. Mais l'hydrogène va monter petit à petit, ça va aller, on va se rattraper. Ils perdent. Ils perdent des parts. Règle les temps faisant masser, les gars, désolé. Ah, ok, là, on n'a pas. On n'a pas ça. Allez. Viens me construire ça. Puis après, avec l'oxygène produit là, on va pousser là-haut. Une fois que j'aurai le générateur qui fonctionne à l'hydrogène, je pourrai réactiver ces petites choses. Alors, côté algues, on est à 100 kg. Donc, il faut régler le problème tout de suite si jamais je veux pas mourir asphyxié. Il n'y en a plus que là. Non. Ok. On a encore un peu de dalle, donc c'est pas super super urgent. C'est plus urgent que là-haut en tout cas. Ok, recherche finie. Nouvelle recherche. Je sais ce que je veux. Je veux faire effectivement ça. Donc là, on a les pompes. On a la pompe plutôt transportée. Sortir. Le reste n'est pas indispensable. Filtre à eau. J'ai déjà le générateur d'hydrogène, parfait. On va le faire rapidement. Il n'y a pas besoin de recherche compliquée, c'est cool. Alors, ah, la nourriture en haut. On en est en nourriture, on a 23, alors c'est pas énorme. Faut vraiment que j'augmente la quantité. Je vais peut-être la mettre là. Mais là, il y a du. Ouais, il y a du pas bon là. Alors ici, l'hydrogène n'est pas encore. Il y en a plus en haut d'hydrogène. Alors lui, il est de plus en plus coincé entre là et là-haut. Éventuellement, il va venir chez nous. Mais on a de plus en plus d'hydrogène là-haut. Donc vous voyez, on est vraiment en train d'évacuer l'hydrogène de la base. Je suis étonné par contre qu'il n'y ait pas plus d'hydrogène là. Mais bon, ça va être bloqué avec ça. Ici, il y en a beaucoup par contre. Et donc, je me dis, vous voyez, je vais faire tous les générateurs d'oxygène à l'hydrogène, par exemple là. Et je vais pomper. L'hydrogène va monter en haut. Et je vais pomper l'oxygène donc dans la base. Et là, je vais pomper l'hydrogène. Si tu me dis que ça serait quelque chose de. Une bonne idée à faire. Côté fer, j'en ai pas énormément. Il va m'en falloir plus. Il faudra qu'ils viennent là tout à l'heure. Alors, Stacy, déstresse vraiment lentement. Stacy, je vais te dire de venir là. Je suppose que tu es dans un endroit là où il y a beaucoup d'hydrogène, donc tu stresses plus facilement. D'ailleurs, vous, c'est quoi vos noms? Price et Hideki. Ça, vous allez aller là en attendant. Et là, on continue à pousser l'hydrogène hein, vers là-bas. La recherche. Nourriture, ça va bientôt arriver. Ah, on va bientôt avoir du Bristle Blossom. Génial. Ah, là, ça génère de l'hydrogène. Tu vas arrêter quelques temps. Ici. On va péter tout ça. Ah, ça va bientôt arriver, donc je vais le laisser finir. Ouais. Finalement, j'ai besoin d'essayer quelqu'un pratiquement tout le temps là-bas. Ah, regardez le niveau de stress qui retombe, quoi. Tout le monde est super bas. Oh, génial, génial, génial. Ne pas être dans des conditions mortelles doit aider quand même, hein.
Regardez là, plus d'oxygène. L'hydrogène continue de monter. Là, il y a quoi là? Ça, c'est du CO2, donc ça, ça n'a pas bougé. Là, on a de l'hydrogène, une poche d'hydrogène et on a de la chlorine. Côté stock d'eau, on va devoir réactiver pour remettre un petit peu d'eau là. Et ça, ça m'inquiète. Bon, on va venir pomper. On va choper là les algues. Il faudra que je démonte ça et que je le repose plus bas. Hein. L'eau contaminée, est-ce qu'on peut la nettoyer, l'eau contaminée? Non, j'ai pas encore le filtre. J'espère qu'il est pas en train, on va annuler. Je crois qu'il a nettoyé ce qui était sale. Voilà, parce que je crois que plus il nettoie, plus il va me vider l'eau qu'il y a là. Ok, au moins on est propre. Je peux me nettoyer là. Et là. Pourquoi est-ce qu'il vient directement là? Vous avez pas d'autre job? Ok, tâche. Recherche finie. Là-bas. Vous avez pas d'autre chose à faire, genre là-haut? J'aimerais bien ouvrir là du coup pour que l'hydrogène monte. Alors je sais pas si la chlorine. Si la chlorine est plus. Elle est plus légère, plus lourde que l'eau, j'en ai aucune idée. Voilà. Parfait. Ah ah. Côté algues, 1000 kilos, génial, une tonne. On arrête de nettoyer. Du coup là, ici est propre. Côté stress, il n'y a plus que Rosalind. T'as pas de table, Rosalind. Et c'est ici qui est en train, ouais, qui est en train de se faire masser. Parfait. Du coup, nouvelle recherche. On a fini tout ça. Filtre avancé. Mid-B. Power management. Pressure management. On va aller avec. Je sais pas lequel. Ouais, on va aller avec celui-là. Okay, c'est pas grave. Du coup, c'est parti. L'installation va démarrer. Donc, alors, on va. Ouais, plumbing. Alors, on va mettre une pompe. On va mettre une pompe. Ouf. Déjà, on va mettre ça là. Je me dis. Ici, on va virer l'hydrogène. On va la mettre là. Toi. On va te virer. Ensuite, il faudrait mettre la pompe là-haut. Ah, regardez, niveau d'oxygène. Ok, donc pour la pompe là-haut, ça va être un petit peu compliqué. Va falloir faire ça. Jusque là, et mettre la pompe en haut, encore même plus haut. Ah, quelqu'un va arriver, génial. On va choisir le nouvel arrivant, médecin. Lui tombe malade tout le temps, non. Lui peut pas creuser, bon c'est pas gênant. Et il a pas d'attente de décor. Oh c'est génial ça. On va prendre lui. Il est plus simple à gérer. Ok. Alors du coup. Ah bah on va virer ça. On va virer ça tout à l'heure. Toi on va te creuser, on va te mettre ailleurs. Creuser. Alors, ici. On a débloqué Cooking Station. Ouh. Ouais, on va voir ça après. On a des priorités. Donc on commence par la pompe. La pompe, elle va être là-haut. Ok. Elle va pomper. Et elle va envoyer
ici. Peut-être pas là. Sinon, il faudra que je remette. Hop. On va venir là. On va mettre les tuyaux dans le plafond quand même. Ok, donc là, on va pomper l'hydrogène. Ça, ça va être... ça a coûté assez cher. Mais au moins, on va pomper l'hydrogène là et ça va envoyer ça là-bas. Donc là, déjà, on va avoir un moyen d'éliminer l'hydrogène. Là, on va falloir choper l'hydrogène dans toutes les pièces. Là où on est déjà. Ce qui va être un petit peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus d'énergie. Ah, ok, il n'y a plus de charbon. Ah, on n'a plus du tout de charbon. Alors ça, c'est un gros problème. Il faut que je trouve du charbon. Il y en a là-haut. Ah, là, il y en a un petit peu. Purité 9. Il y a de l'or. C'est pas de l'or qu'il me faut. Purée, j'ai pas beaucoup de charbon autour. Ah, ici. J'ai donné la priorité avant. Okay, ici, go, tout de suite. Yes. Ok. Comme ça au moins on va pouvoir refaire de l'électricité, de l'oxygène. Ok, là il y a toujours du charbon. Bien. Il va falloir plus, hein. Là ça va pas être suffisant. Enfin, on va devoir faire un chemin tout à l'heure. Je sais combien, je suis à 1,5 tonne de... Ok. Bah parfait. Ils ont commencé, vous voyez, à préparer ça pour l'hydrogène. Donc une fois qu'on aura suffisamment de production d'hydrogène, on pourra faire se passer du charbon, ce qui est déjà pas mal, ce qui serait génial. Donc voilà, en tout cas on a bien avancé, je pense qu'on a amélioré la base, on la rend plus stable, et dans pas longtemps, on va vraiment être plus indépendant. Et puis surtout, j'ai réussi à baisser le niveau de stress, regardez, on était vraiment à tout le monde pratiquement au max, et là on est revenu... On est revenu à un bon niveau. Donc c'est vraiment une deuxième vie pour la base. Tout ça grâce à ce que l'on a appris ensemble pendant le live. Donc merci à vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur le prochain épisode.